Les victimes de l'insurrection populaire de fin octobre 2014 remercient les élus nationaux pour leur contribution à la prise en charge des blessés. Elles sollicitent davantage d'aide pour la vingtaine de blessés qui a besoin d'une assistance psychologique. Certains d'entre eux vivent toujours avec des projectiles dans le corps. Une délégation a été reçue par le président de l'Assemblée nationale qui, à l'occasion, a remis 3 millions de francs CFA à la délégation pour la commémoration du deuxième anniversaire de l'insurrection populaire de fin octobre 2014. Point avec Sié Roger Kam et Ismaël Dilouma Sirima. Avant la commémoration de l'an 2 de l'insurrection populaire, une délégation nationale a reçu les représentants des victimes ainsi que des blessés du push manqué et de l'insurrection populaire. Le représentant des victimes a salué des marches entreprises pour permettre à certains blessés de recouvrer la guérison. Toutefois, il a fait quelques remarques. Il y a 10 blessés du coup d'État comme de l'insurrection populaire jusqu'à présent qui portent toujours des balles. Je dis bien une dizaine. Nous avons également 9 blessés qui n'ont plus de balles, mais qui ont certains. Bon, leur état est quand même jugé critique par les médecins qui sont venus les consulter. À cet effet, le président de l'Assemblée nationale a prévu revoir les représentants des victimes et des blessés pour leur redonner une joie de vivre. Il a aussi signalé qu'il faut qu'il soit fait. Il faut que justice se fasse pour que demain, il n'y ait plus de gens qui s'élèvent un beau matin tirés sur les enfants du peuple, parce qu'ils manifestent. Nous tenons encore à vous rendre hommage, à vous dire merci pour votre sacrifice. Et le peuple du Burkina Faso, à travers sa représentation nationale, vous serez toujours solidaire. Pour l'occasion, l'Assemblée nationale a remis la somme de 3 millions de francs CFA, Association des blessés de l'insurrection populaire, pour la commémoration du deuxième anniversaire de la chute du régime Compaoré.